Salut, station fréquence, les bonnes soirées à côté à vous tous de la part de Dindy 33. Allez, c'est reparti pour les QSO nationales du canal 27. On est donc le samedi 7 janvier 2017. Allez, en avant! Bon, on dirait qu'il y en a qui n'ont pas fini leur café. Et 73, Belfegor. Non, c'est pas Belfegor, je me suis trompé. Florent, de Gazon. N'importe quoi, moi, n'importe quoi. Ok, Florent, désolé, n'importe quoi. Je commence bien la soirée. Pas grave, pas grave. Bon, j'ai réussi, hein. Allez, je suis passé, là, je suis à 50 watts, j'ai trouvé dans le menu, hein. Ah, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Ça chauffe moins du côté de l'alimentation. Ah bah oui, tu m'étonnes. Parce que là, c'est pour la puissance maximum, il faut 25. Là, oui, avec 50, c'est sûr que là, ça allait beaucoup mieux. Ouais, ouais. Donc je vais changer. Mais parce que si je passe à 100, à chauffer énormément, et c'est pas bon. Je passerai avec une 30 ampères. Comme ça, je serai à l'aise. Hein. Mais j'ai trouvé dans le menu, hein, c'est pas mal fait. Bien sûr, quant à la notice, hein, c'est bien fait. Mais j'ai trouvé, hein, je suis en train de parcourir la notice pour faire mes différents réglages, entre autres les filtres, qui sont très efficaces. Et ouais, ben, je suis en train de parcourir tout ça. Je découvre ce poste-là et l'affichage est lumineux, c'est assez gros, hein, parce que je sors du 9009, hein, comme je te disais. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Ben, disons que tu pars de quelque chose qui est déjà bien à une Rolls, à chi. Donc forcément ça change. Et au niveau des filtres, ouais, le premier à enclencher, c'est direct le NB là que t'as là, que tu vois là en façade là juste à gauche. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Hein. Ouais, bon, écoute, c'est à combien, toi, tu sors combien actuellement en Wi-Fi, là? Surtout pour le QSO, je suis au maximum. Puisqu'à chaque fois, bon, il y a des stations là de temps en temps, on a des stations des Landes, du 47. Il arrive qu'il y a aussi du 24. En ce moment, on a Noël du 17. Alors, faut arriver à tout couvrir, quoi. Donc là, oui, je suis au maximum. Ah, ok. Le 17, ouais, mais je crois que c'est Bernard. Ouais. Bernard, d'ailleurs, qui a le ST, le 450B, comme nous, hein. Qui a Bernard, mais je ne sais pas s'il va venir. Mais écoute, c'est bien calme, hein, par nous deux, c'est bien calme ce soir. Bon. Quelle heure il est? 9h, moi j'ai 9h02, bon, mais je sais pas. Bon, les stations fréquences, si vous voulez intervenir, pas de soucis, je relâche le micro, voilà, à vous. Ok, bon, et là on démarre tout juste, hein. Donc c'est comme à chaque fois, là, les quelques premières minutes sont toujours un petit peu diesel. Oui, une station qui s'est signalée derrière, oui, en avant. Qui c'est qui m'arrive tout petit là? Ouais, tu vois, genre, avec 4 watts, j'allais pas faire. J'étais obligé de monter encore. Oh, c'est pas possible. Là. Il marche pas ce corps de poste.
Ah, les petits 40 canaux comme ça à M. Qu'est-ce que je dis, 22 canaux à M. Non, c'est vrai que c'est pas terrible. J'ai une poubelle qui est grande là du côté de chez moi, vas-y, tu peux jeter dedans. Voilà, t'as son Eric ou Ludovic. Ludovic m'a dit que tu serais peut-être un peu en retard. Pourtant, t'as pas de livraison de pizza ce soir, d'après ce que tu m'as dit. Il est un peu mouché. Ouais, ouais. Non, mais là, on était ensemble cet après-midi. Et il m'a dit qu'il serait un petit peu en retard ce soir. Attention, Eric. C'est pour ça que je te dis, genre, tout bouffé. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis là, je suis là. Voilà, ok, Ludovic. Allez, vas-y, tu as Florent de Galgon qui est là, tu as Thierry qui est là, plus les stations en écoute derrière. Monsieur McDo maintenant. Bah oui, il y a une surprise dans le dessert sûrement. Je mangerai le dessert tout à l'heure, donc je serai un petit la surprise. Ok, vas-y Thierry. Ludo, ouais, pas de soucis, ouais. Ah t'as ouais. T'as pas eu les desserts? Oh là là. Mais c'est pas normal ça, hein. Attends, on finit un repas, on prend les desserts, hein. Sans rien à toi, ouais. Je repasse le micro à Florent, voilà. Vas-y, viens à toi Florent. Ouais, ok, merci Thierry. Mais j'entends pas Eric, moi j'attends après, je sais pas, je comprends pas. Si c'est Eric, hein. Je pense que c'est Eric. Mais con quoi. Mais 73 Eric, si tu m'entends. Voilà, Florent de Galgon, retour à toi Eric. Non, c'est pas Eric, l'erreur est humaine, c'est Ludo, Dolu33, Ludovic, qui est sur Florac. Waouh, oui, Belphégor, enregistrez le break. Oui, Florent, c'est donc Ludovic, Dolu33, qui est sur Florac. Hein. Ah, ok, bon, ben ça marche, hein. 73 à lui, mais je l'entends pas du tout, j'entends pas. Ok, il y a Jean-Marie qui a breaké derrière. Les mots sont très Jean-Marie, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein de contacts et tout et tout et tout. Ok, les mots sont 13. Il m'a fait perdre le fil. Jean-Marie. Alors Jean-Marie Belphégor, indicatif 14, Juliette Mec, Charlie 73. Retour de micro, Florent, si tu arrives à l'entendre. Tout petit Belphégor, mais j'entends 73 à toi, Florent de Galgon à côté de Libourne. Voilà, retour à toi. Écoute, je ressors Florent. Bon, apparemment, il te reçoit tout petit, hein, Jean-Marie. Florent, en plus, il a 50% là ce soir, là au niveau de sa station. Donc, tu n'entendras pas plus fort. Moi, je le reçois, mais la radio est très bonne pour Florent. Voilà. Tu veux faire le PSP, voilà, retour à Rémi. Ok, d'accord. Florent, Jean-Marie te reçoit très bien. Là, il t'entend très bien là-bas. Même réglé comme ça, ça passe impeccable de son côté. Hein. Oh, ok, bon, mais si m'entend les 73, moi je. Désolé, je t'entends, mais hein. C'est à peine si je t'entends. Hein. Donc, écoute, je sais pas. Je suis en train de regarder au niveau de mon ST450, là, au niveau des réglages en même temps. Je vous écoute. Hein. Donc au niveau des filtres, etc. Alors, bon, ben, c'est un filtre que j'ai... Je sais pas. Faut que je regarde mieux ça. Bon.
aussi, je l'entends pas. Alors, d'habitude, je l'entends, je ne l'entends pas. Ok, ben pourtant, moi, ça passe de mon côté. Eric, est-ce que tu es des nôtres, là? Normalement, oui. À moins que tu sois encore un petit peu coincé entre le café et l'YL. Ok Eric, donc tu as Florent de Galgon, Thierry qui est là, Ludovic qui est là, qui n'a pas pris son dessert, Jean-Marie Belfégor qui est là derrière. Voilà, retour à toi Eric. Ok, 73 à Belfégor, 73 à notre ami de Galgon, 73 au Coyote et puis 73 à Ludo, je le dis tout à l'heure, j'espère qu'il va bien, voilà, retour. Il y a Ludovic qui a pris le micro. On a mangé des burgers maison, ça fait bien au corps. Voilà. Donc, très bien, je crois que oui, j'ai dit qu'il y a Belchegor, donc je pense que c'est un Belchegor. Et c'est pour notre ami de maison, c'est très difficile. Hein, voilà, ça passe, mais j'ai cuit rien comme d'habitude, donc c'est très difficile. Donc voilà. Mais bon, en fait, alors oui, les deux, c'est ce que j'ai dit, donc c'est parti pour le tuer. Oui, vas-y Jean-Marie. Ok, c'est vrai que c'est pas épais. Hein. Là, j'ai en plus de mon côté, j'ai deux points de QRM. Tu passes dedans, j'arrive à te sortir parce que t'as quand même une radio qui est quand même là. Mais c'est vrai que là, c'est ce soir au niveau propag, c'est pas trop ça. Et encore, c'est bizarre parce que là, il est quelle heure? Ouais, il y a trois quarts d'heure de ça. Il y a l'Italie qui passait un peu là sur le canal 27 là que j'entendais appeler derrière. Voilà, donc tu vois comme quoi là, trois quarts d'heure plus tard, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est nettoyé quoi. Oui, enregistré le break, retour Belfégor. Avant le break. Je ne pas, mais je me présente, Daniel 4G8 qui se présente. Alors je ne sais pas si c'est moi que vous avez entendu ou quoi, j'avais promis à Belfégor que je ne venais pas. Et comme j'étais à côté, bien, j'ai dit je vais quand même leur faire un petit coucou rapidement. Voilà, donc Belfégor, je repasse si tu le permets le micro à Rémi, s'il m'attaque. Ah, toi, si je t'entends pas, c'est que j'ai un gros problème. Hachi, tu me passes comme un boulet de canon ici. Les modes 73-51, toi. Voilà, comment vas-tu? Ok, merci Rémi. Avec les bons 73 euros de rouler à tous ceux qui sont présents. Voilà, au moins j'oublierai personne. Je ne les cite pas. Bon, je peux les citer peut-être. Au prochain passage, je les citerai, je donnerai le report. Très, très, très bien. Alors, je te souhaite tous les meilleurs vœux que tu peux y avoir. La chance à toi et tout ce qui t'entoure. Et puis ma foi, tous ceux qui sont présents dans le plateau, je n'aurai pas les renouveler. Voilà, bref, voilà Rémi, ça va très bien, très bien. On commence très bien l'année. C'est que je suis parti l'an dernier et je suis revenu cette année. Retour Rémi. Ok, merci, c'est super sympa de ta part. Alors pour le report, c'est du 56. Hein. Voilà. Et pour les stations qu'il y a sur le QSO, eh bien, il y a Florent de Galgon, il y a Thierry le Coyote, il y a Ludovic de l'U33, il y a Jean-Marie, bon Belfégor que tu as entendu, il y a Eric, 14 Victor Eco 27, et puis toi qui viens d'arriver. Ok, je suis modulé personne.
Non, ok, c'est bon. Eric, tu as une annonce à faire pour le 11 mars prochain. Mais oui, pour Radio Rock. On espère qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir faire un petit tour à Radio Rock. À ces stats, bon, je te laisse fournir l'adresse, Rémi. Voilà. Et puis voilà, donc ça sera l'occasion de se rencontrer. Oui, Florent, vas-y. Oui, salut les stations, là. Je suis à la recherche du coyote. Vous l'avez pas entendu? On l'a tué, le coyote, on l'a tué, Hachi. Vous l'avez pas entendu, le coyote? Je le cherche partout. On ne t'entend pas, Jeannot. Comment il est passé trop fort? Ouais, 73 Jeannot de Rémi d'Andy 33. Salut Rémi, les amitiés Rémi, les 73 à toutes les stations là. Oui, c'est Jeannot Coquimont là. Je cherche le coyote, je sais pas où il est. Bon, Jeannot, il est à l'horizontale, là, non? Non, je suis en vertical. Eric. Eric, je suis en vertical. Ah, moi, ça passe très bien, hein. Ok, 73 euros d'heure. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Marie, là? Tu essayes les antennes? Jean-Marie, t'es sourd? Ah, bon, tourne autour de mon côté. Il y a Daniel aussi, là. Tu l'entends, Daniel, là, Jean-Marie? Ah mais vous troublez que dalle du tout, non, vous troublez que dalle, la QSO c'est fait pour quoi? C'est fait pour prendre le micro, donc il n'y a pas de problème. Là, tiens, justement, là, je sais pas si vous avez entendu l'annonce d'Eric, le 11 mars prochain, il y a Radio Rock. Donc évidemment, comme tous les ans, hein, tout le monde est le bienvenu à leur, à cette brocante radio. Oui, voilà, le 11 mars prochain. Oh, c'est loin, ça. Salut, Jeannot, salut, Jeannot. Je cherche depuis une heure. Jeannot. T'as fini de promener le chien? Ouais, il est parti, il s'est barré. Oh, putain. Hein. Oh, celui-là, alors. Merci plus de Jeannot. Oh, Jeannot. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Je t'appelle partout, moi. Mais moi aussi. Je t'appelle partout, tu réponds pas. Tu vas bien? Ça va, ça va. Ça roule? Ça roule. Bon, allez, je me dis, parce que là, je vais me faire expulser. Non, 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 c'est toi qui es faible. Hé, hey, Jeannot. Je vais t'expliquer un truc. Le premier qui t'expulse, il vient me voir après. Qu'est-ce qu'il y a, Coyote? Je te dis, le premier qui va t'expulser du QSO, après, il vient me voir. Ah, ok. Bon, vas-y, Eric.
Je t'entends tout petit de mon côté. Là, tu m'arrives limite dans le QRM. Ok, j'ai quand même entendu ce que tu as dit. Ludovic, je vois que tu as vu le partage que j'ai fait là sur le groupe, l'OM dont je t'ai parlé. Ok, tiens, ouais, je suis en train de raser le compteur. Et si on parlait un petit peu là de ce qu'on a fait cet après-midi, là nous tous, là, il y a Fredo aussi qui doit être dans les parages, j'imagine. Ouais, il y a du QRM ce soir, hein, c'est pas évident. Hein. Je sais pas si Fredo est dans les parages. Non, c'est, j'ai de la friture de mon côté, il y a du QRM. Hein. Ça marche pas. Hein. Moi j'ai pas de friture, j'ai pas de QRM. J'entends bien tout le monde. Ouais, vas-y. Comme
quoi, tu vois, c'est pas forcément la, la plus grande, la plus grosse qui est la plus. J'hésite. Qui est la plus performante. Ah, ça y est, j'ai piqué la tirée, le roi, mais là, qui tirait et qui brûle à rien, je sais plus, et il arrête de parler. Ouais, c'est ça, parce qu'il est en train de penser à la connerie qu'il avait racontée par rapport à la taille, et du coup, ça l'a déconcentré. Exactement. Ben oui, c'est pour ça. Donc c'est intéressant, on a eu. Attends, il y a Thierry qui veut prendre le micro. Vas-y Thierry. Le grand antenne ou le petit, vous savez quoi, il a parlé. D'ailleurs, quand vous verrez la vidéo sur internet, si vous ne voyez pas la séquence où Rémi a perdu sa rondelle par terre, et bien, vous pourrez dire que la vidéo a été censurée. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Ah justement, il attend que quelqu'un relâche le micro pour pouvoir le prendre. Voilà, voilà. Bon, je vais vous dire maintenant, votre question nationale, là, votre question nationale, je n'ai pas parlé tout le temps de technique, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, bon, voilà, et il y en a beaucoup qui me l'ont dit, voilà, parce que je connais beaucoup de personnes qui écoutent, bon, ben voilà, ils veulent parler d'autres choses, tu vois, tu sais, hey, 3-4 minutes de technique, ça n'a jamais tué quelqu'un. Parce que là, en gros, c'est tout ce que l'on fait, là. Mais j'ai compris, non, mais j'entends pas quand, j'ai compris, ouais. Attends, après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit, moi. On n'arrivera jamais à contenter tout le monde, de toute façon. C'est pour ça que là, on parle de tout. Mais bon, de toute façon, il y aura toujours des gens qui arriveront à se plaindre. Nous, on attend qu'on nous montre mieux dans le QSO. Après tout, pourquoi pas? Mais tu sais, j'ai répondu, moi. Attends 2 secondes. Attends. 5, 4, 3, 2, 1. Alors...